Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais tester la marque Oceans Apart. Donc vous connaissez peut-être cette marque, je ne sais plus parler, c'est bon, ça commence bien. Ou peut-être pas, je ne sais pas, dites-moi. Mais en gros, du coup, c'est une marque de sport puisque c'est une marque qui vend des ensembles, du coup, de leggings, brassières, etc. Donc du coup, si vous avez envie de voir un petit peu ce que c'est, vous pouvez aller regarder, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Du coup, si vous suivez pas mal d'influenceuses qui sont des assez grandes influenceuses, eh bien, vous avez dû voir que là, ces derniers temps, pendant le confinement, etc., il y a eu énormément de codes promo qui ont été donnés par ces personnes-là. Moi, j'ai vu Gael García Diaz, Luffy. Moi, j'ai utilisé le code de Luffy, d'ailleurs. Enjoy Phoenix, je crois. Enfin, franchement, tout un tas de nanas qui ont quand même énormément d'abonnés. Donc, je me suis dit, bon, ça fait très longtemps que je n'entends parler. Beaucoup de personnes disent que c'est très très bien, que c'est une bonne qualité. Apparemment, en plus, c'est génial parce que c'est vegan. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est top, le fait que ce soit vegan, parce que au moins, bah, ça répond aux attentes de tout le monde, plus ou moins. Du coup, ce petit colis, j'ai pris 5 articles différents. Donc, en fait, avec le code de Luffy, au début, je voulais utiliser celui de Gael. Avec celui de Gael, j'avais 2 articles offerts en fait pour l'achat d'un ensemble. Non, c'était pour 79. 9,99€ je crois en minimum d'achat, donc en soi vous pouviez prendre ma bille. Arrête de bouche, la babouche. Non, arrête. Je veux pas rire. Je pensais pas que t'étais aussi gauche, pardon. Donc du coup, c'était ouais, 79,99€, il me semble, le minimum d'achat, ou je sais plus, enfin pour, non, pour Gael, je crois que c'était un ensemble acheté et on avait 2 articles offerts. Et avec le truc de Luffy, c'était pour 79,99€, je crois, on avait 3 trucs offerts. Je me souviens plus exactement comment c'était, et puis il y avait peut-être un pourcentage aussi en moins. Je me souviens plus exactement. Bref, en tout cas, avec le code de Luffy, j'ai pu avoir, eh bien, 3 articles offerts. Alors, en fait, en fonction de code, vous avez des leggings, en fait, ou des brassières différentes qui sont proposées. Alors, par exemple, pour Gael García Diaz, il y avait des leggings qui sont un peu plus convoités, puisque vu qu'on avait le droit à 2 choses seulement, il y avait un peu plus de trucs comme ça, alors qu'avec le code de Luffy, il y avait des leggings et brassières plus classiques. Voilà, ce qui était un peu plus normal. Normal, vu que voilà, il y avait 3 trucs à choisir, donc j'imagine qu'ils mettaient des trucs un peu moins chers. Mais moi, en soi, je voulais surtout avoir plus de trucs. Donc franchement, voilà, on se dit 79€, donc on se dit, bon, on va arrondir, hein, 80€, on se dit que c'est super cher pour tout simplement un ensemble. Alors si ça avait été juste un ensemble, je n'aurais jamais pris. Il y a certains ensembles qui sont à 100€ aussi, donc ça fait vachement cher. Mais quand on a les 3 trucs qui sont offerts à côté, au final, j'ai fait le calcul et ça revient à peu près à 15€ la pièce. Donc en soi, c'est vraiment pas cher. Donc voilà. Par contre, je pense sincèrement que je n'aurais pas acheté si j'avais eu que les 2 pièces. Donc du coup, on va ouvrir ça ensemble. D'ailleurs, j'ai une ouverture facile, je sais même pas pourquoi j'ai pu faire si je commençais. Non, ce sera rien. Donc du coup, on va ouvrir ça ensemble et puis on va regarder. Et je crois aussi que c'est fait en matière recyclée, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Si jamais c'est le cas, je vous dirai là oui ou non. Et mon mec qui claque la porte là comme ça, comme si on était dans un château. M'énerve. Ah oui, du coup, je vous montre quand même le colis. Donc c'est dans un petit colis comme ça. Donc il est hyper léger. Quand je l'ai reçu, je me suis dit what the fuck. Il y a vraiment les 5 articles dedans. Du coup, il y a le petit, aussi le petit logo de Oceans Apart. Ah, et aussi, du coup, les délais étaient extrêmement longs. Je sais pas quand est-ce que j'avais commandé. Je vous mettrai ici le délai. C'est normal, avec le confinement, c'était assez compliqué, forcément. Et bon, ils l'avaient dit, hein, que ça allait être assez long. Donc, bon, voilà. De toute façon, c'était à la fin du monde, c'est des vêtements de sport, donc je vais largement attendre. Bon, donc, du coup, à l'intérieur. Oh, c'est trop mignon comment ça se présente. Du coup, ça se présente dans un... Ils mettent ça dans un espèce de petit papier de soie, un petit papier craft, ça, je sais pas comment vous appelez ça. Et il y a, du coup, ma mèche, elle est en train de me péter les noix, je vous le dis. Hop, je vais me mettre comme une petite fille, parce que ça me garde.
Il y a le petit logo, il y a une petite étiquette logo pour fermer le tout. Donc on va ouvrir ça. D'accord, donc par contre, ouais, c'est vachement bien parce que en fait, ouais, c'est emballé juste là-dedans, mais c'est pas emballé dans du plastique. Alors, du coup, voilà comment ça se présente. Voilà, il plie tout comme ça, il met tout comme ça. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Moi, j'ai pris deux brassières et trois leggings, si je dis pas de bêtises. Le premier, donc, c'est une brassière. Ah, c'est trop bien ça, je savais pas qu'ils avaient mis ça. Pour le premier, donc c'est une brassière qui est comme ça, qui est un peu clairement en fait couleur saumon. Je sais pas si vous allez bien remarquer la couleur, mais c'est couleur saumon. De toute façon, je vous mettrai les essayages et je vous dirai si c'est bien ou pas avec un petit truc, enfin vous verrez bien. Et du coup, ouais, elles sont top, franchement la qualité a l'air super bien. Donc il y a des petites coques dedans. Voilà, et visiblement, on peut les enlever, en fait, si on le souhaite. Donc ça, c'est bien aussi, parce que je sais qu'il y a certaines personnes... Enfin, moi, je sais que souvent, je les enlève. Mais là, pour le sport, peut-être que je les garderai. Je ne sais pas si jamais c'est un petit peu transparent. Du coup, ouais, c'est franchement ultra sympa. J'aime beaucoup. Les finitions, elles sont top. Donc là, il y a le petit nom de la marque, Ocean's Apart. Il y a les petits logos qu'ils mettent un petit peu partout, devant, derrière. Voilà, très très sympa. Du coup, pour les brassières, j'ai pris taille M. Et puis pour les bas, j'ai pris taille S. Voilà, parce que vu que j'ai pas mal de poitrine, je préférais... Enfin, même parfois, je prends taille L. Donc là, je me suis dit, donc, je vais prendre taille M pour être sûre. De toute façon, j'aurais pu prendre taille S, hein, parce que ça me paraît un peu grand. Mais bon, on verra bien. Ensuite, j'ai pris le haut, mais en lilas. Du coup, enfin, c'est lilas aussi. Si, c'est lilas, on est d'accord. Bon, je vous redirai ça, mais du coup, voilà pour celui-ci. Je sais pas si c'est rose ou lilas. Ça devient grave. Je me demande si c'est pas plutôt rose, parce qu'il y en a un ensemble qui est lilas, mais il est pareil lilas comme ça, non? Non, ouais, c'est le rose, parce que je voulais trop au début l'ensemble lilas. Mais il n'y avait plus ma taille pour le bas ou pour le haut. Je crois que c'était pour le bas qu'il n'y avait plus ma taille, il n'y avait plus de taille S. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça, c'est l'ensemble en fait que j'avais pris à la base. Et en fait, il est vendu avec le legging noir. Donc c'était ça, c'était le haut, ouais, que j'avais pris. Et j'avais pris du coup le legging noir. Donc voilà, je vous montre le legging noir qui était avec. Donc, vache. Là, clairement, si je ne suis pas complètement compressée là-dedans, il paraît qu'ils servent à mort, mais c'est fait exprès, quoi. Ils sont ultra moulants. Du coup, il est comme ceci en bas. Enfin, il a des petits détails comme ça, un peu côtelés, on va dire. Mais c'est pas sur l'intégralité de la jambe, c'est sur le côté et le bas. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah, écoutez, les coutures sont très bien. Il a l'air de gainer à mort, ça c'est clair. De toute façon, ils le disent que ça gaine à fond. Laura, elle en a acheté et elle a pris en taille M, si je dis pas de bêtises, et ils lui vont parfaitement. Donc, elle a dit que ça gainait de ouf, que c'était hyper agréable, que c'était un effet seconde peau, trop trop bien. Visiblement, ils disent qu'il faut éviter de mettre dans la machine, il faut laver plutôt à 30 degrés. Donc on verra ça. Donc voilà, j'ai pris taille S pour celui-ci. Donc voilà, il est en noir, ça fait vraiment riquiqui, mais je pense que ça ira très bien. Donc ça, c'était l'ensemble qui était avec du coup le haut rose. J'ai pris du coup les pièces donc offertes, et j'ai pris le haut saumon, et je voulais un ensemble parce que j'aime bien, je trouve ça sympa aussi les ensembles de la même couleur. Du coup, j'ai pris le bas saumon. Laura, elle l'a pris, elle a dit qu'il était un peu transparent. Elle avait envoyé des photos et effectivement, on voyait même son tatouage à travers. Après, franchement, je pense que si c'est pour faire du sport à la maison comme moi je fais, et puis si on met après une culotte couleur chair ou blanche ou autre, ça devrait être pas trop mal. Donc je verrai si sur moi ça fait transparent ou pas. Mais là voilà, il y a vraiment la partie là pour bien gainer. Oh, c'est cool quoi. On voit que c'est censé faire un petit boule parce que c'est plus lâche au niveau des fesses. Et en fait il y a comme, je sais pas si vous allez arriver à voir, mais comme la forme des fesses. Ils ont mis comme des sortes de coutures qui font comme ça, tchac, tchac. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Et du coup, je pense que c'est vraiment voilà, pour soulever la fesse et que ça fasse une plus belle silhouette quand on le porte. Et en dernier, j'ai pris du coup, bah, c'était une brassière plus classique. Et j'ai pris du coup ça. Donc, c'est une brassière noire. Je ne sais pas qu'elle ressemblait à ça. Très bizarre. Bref, là, elle n'a rien à voir avec l'autre. Enfin, avec les autres, puisque celle-ci, elle est simple. Elle n'a pas de coque. Ça fait plus comme un top, en fait. Qui est resserré, du coup, en bas. Et derrière, en fait, il est ultra sympa. Et il a un petit peu le dos ouvert avec un petit élastique. Avec écrit Ocean's Apart aussi. Donc franchement, très, très cool. Voilà, donc je l'ai pris aussi en taille M. Donc, celui-ci, bah, écoutez, il me tiendra moins les seins. Mais c'est pas grave. On verra bien, de toute façon, comment
il me va. Mais je pense que, enfin, il est différent des deux autres brassières, donc je n'ai pas fait spécialement attention. Mais je me suis dit qu'en noir comme ça, c'était très très bien, que ça irait super bien avec le legging noir et avec le legging saumon. Voilà, c'est cool d'avoir des couleurs classiques. Je vous mettrai les liens dans... Vachement blanche, non encore. Je vous mettrai les liens... c'est à cause du... Je viens de capter que c'était à cause du haut noir, puisque ça fait toujours ça. Après, je ressors ultra blanche. Je vous mettrai les liens de chaque article dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Après, voilà, comme je vous ai dit, regardez un peu partout sur les réseaux sociaux parce qu'il y a énormément de codes promo. Moi, je vous mettrai, si je me souviens, du code de Luffy. Donc, je sais pas s'il est toujours disponible puisque ça fait longtemps maintenant que j'ai commandé. Mais il y a très, 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 très souvent des codes. Comme je vous ai dit, j'en vois très souvent. Et puis là, pendant le confinement, c'était un délire comme je voyais que ça. Et vraiment, ça vaut le coup. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé, je vous aurais mis au fur et à mesure chaque article, je vous dirai si j'ai apprécié ou pas, mais franchement ça a l'air d'être de la très bonne qualité, et franchement si c'est de la bonne qualité, qui sont bien, etc, honnêtement je pense que j'en achèterai d'autres, j'ai trop envie d'avoir l'ensemble lila, je le trouve trop canon. Après il y en a d'autres aussi qui sont ultra canon, comme celui qui est vachement connu avec l'espèce de cœur là sur les fesses, qui est noir avec le cœur un peu blanc sur les fesses, qui est juste trop canon aussi. Il y a vraiment plein qui sont super sympas. Le blanc aussi il est magnifique, mais du coup j'ai un peu peur qu'il soit transparent. Donc ça c'est à voir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.